Alors, il y a un autre truc qui a pop. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Ah, mais c'est un. Ah mince, je sais plus comment il s'appelle. Salut, Soblette? bref, j'aimerais bien. Non, 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 Ah, non. soporifique! Soporifique, voilà, qu'on n'a toujours pas. J'avais pas Il fait y a des gaffe. gens qui se plaignent qu'ils en ont 50. C'est Nous, on l'a ça. pas, mais on peut pas aller le chercher parce que je sais pas où il est. Je sais pas dans quelle direction. Alors, le fait que ta 4G soit full bar, on ne devrait rien dire que la capture à fond mais être de mauvaise qualité. Ah, ça doit être ça. Mais on est d'accord, si la 4G est marquée full bar sur le boîtier, ça veut dire qu'on n'est pas en débit réduit. Je sais pas. Je sais pas. T'as pas besoin de 40 gigas mort de rire. Oui, bien sûr, bien évidemment. Pour streamer, j'ai pas du tout besoin de 40 gigas pour 3 jours. Il y a une différence entre. C'est pas le jeu qui prend 40 gigas, hein, c'est l'application pour streamer. Hein. Ce profil part de la Villette. Ah. Alors. Léviathan 270, GG, c'est collector. C'est collector. Le truc rose, c'est un parapluie parce qu'il pleut sur le. On fait pas un fond rose pour faire un style. Il est pas rose du tout, hein. Vous arrêtez avec votre rose là. C'est avec l'écran, la lumière, je sais pas. Ça fait, ça rend rose. Encore un recul, trop cool. Les barres, c'est juste la force du signal 4G et non le débit. Tu peux très bien capter du 4G à fond, mais que ton débit soit réduit. Le débit Alors, réduit oui. a rien à voir avec. D'accord, mais c'est qu'il y a écrit 4G là, c'est pas forcément le Et nom de barre. il le signale pas, il y aurait pas un petit machin marqué débit réduit ou je sais pas quoi? Normalement, il t'envoie un SMS, mais vu que là c'est sur la clé directement, je pense pas. J'ai vu que c'est pas. C'est pas mon compte à la base. Et ben, je plusieurs pense que forfaits, plusieurs sims sans engagement. Les trolls host. Ah, merci pour le host de 0 viewer. Merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on pourrait aller? On est où déjà? C'est pas où je suis. Je suis perdu. Elle est où la C'est reine? pas la tête d'un Raphaël, le truc rose. Si, c'est ça. Il le chasse, mais en fait, il est derrière lui, il le troll depuis le début. Elle est là. Ok, je suis dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que si je vais par là, il y a deux. Il y a deux leurres dans cette direction. On va y aller. On va y aller. On va quand même essayer de choper quelques trucs avec la maigre connexion qu'il nous reste. Sachant que quand Orange, quand le téléphone, là, on est à 80% tout à l'heure. 80% c'était une connexion 10 ou 20 gigas. Si c'est une 10 gigas, ça voudrait dire qu'il nous reste, il nous restait 2 gigas, donc vraiment peu de temps. S'il nous restait 4 gigas, alors un stream 7 heures, c'est 15 gigas. On va dire 8 heures, 15 gigas. Ouais, ça fait combien? Ça fait un quart en gros. Ça fait 2 heures de stream. Il nous restait 2 heures de stream au moment où il y a eu l'annonce, peut-être. Peut-être. Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Ah, un host de un viewer maintenant. Merci beaucoup. Très Ils très gentil. Encourage pas comme ça. D'accord, Johan, bon épisode. Alors. Donc, le favori qui a disparu, il devait être de l'autre côté où il a des postes au choix. Non, mais c'est. Là-bas, on va aller voir les douleurs. Ah, il y a un truc à pop. Un recul. Non, on ne peut pas aller sur le. Même si c'est tentant. Deux aqualia. Il y a quand même un aqualia 123 là. C'est déjà un petit peu plus. Non, on ne peut pas Salut, fusion. Hop. Il me faut les poussières. Quelle adresse? De quoi parle-t-on? La batterie fait remonter la pourcentage de charge important des poussières. Mais c'est quoi? Non, mais plus ça va, plus les roues coulent, on fait tout. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Il en est à 76 dans le Pokédex, je crois. Ah, mais non, 77 maintenant que t'as le Hypocéan. Ah oui, bah oui, 77. 77 attrapé, 79 vu. Parce qu'on a raté un sac de nœuds et un Nidorina. Nidorina, je pourrais le faire, mais c'est ça m'intéresse pas de faire un Nidorina pour faire un Nidofune derrière, quoi. Ouais, bah oui. Je pourrais parce que ça prend pas beaucoup. Et de toute façon, je compte pas. Oh, ouais, ça, je peux le faire. Ça. Et j'ai déjà un Nidoking aussi, donc je pourrais faire les deux. Non, mais un stream dans une autre ville que Lyon, d'accord, mais il faut quand même pouvoir se déplacer. Et on va pas dormir par terre. Je vais voir combien ça. Ah, mince, ils sont pas. L'adresse Twitch pour le MP. Bah, c'est Crane Live. C'est ça. Et tu tapes point d'exclamation MP pour avoir l'adresse pour le MP. Ah, il y a une commande. Oh, ce oui, talent. Oui, c'est beau. C'est beau. Hop, mince. Je peux prendre la place, je gêne les gens. Je savais pas, moi je croyais que les gens cliquaient juste sur le pseudo et on envoie un MP. C'est ce que je fais.
Ah, je sais pas, la musique, elle est où? Je dis pas de bêtises, on a déjà un Nidoking et un Nidoqueen. Nidoking, Nidoqueen, donc oui, je peux potentiellement faire C'était évoluer. Dragon Ball Z, le Budokai Challengers. Ça prend 25, donc on peut faire ça, on peut rajouter deux entrées au Pokédex. Tout le monde dit qu'à partir du niveau 20, les Roucoultes trollent et même les level 10 s'échappent des Pokéballs. Et oui, il faut arrêter avec les Roucoultes, je crois. Les enfoirés. Allez, deux de plus, on va passer à 79 au Pokédex. Ouvrir une cagnotte pour un camping-car. Oui, bien sûr. Sans avoir le permis, il va être bien. Alors. Hop, ça c'est fait. Et on va faire pareil avec celui-là. Tu fais évoluer du coup? Oui, parce que j'ai deux Nidoqueen et Nidoking. Donc j'ai juste les faire évoluer pour le Pokédex. Et après, je referai. Je refarme. Enfin, j'essaierai de rechoquer les bonbons, mais pour avoir des vrais Nidoking, Nidoking avec des stats. Mais pas tout de suite, c'est vers level 30. Donc c'est pas urgent. Voilà, nickel. Voilà, c'est bon. Ok. Donc maintenant, il y a juste. Ça donne quoi au niveau. Sortie japonaise. Aujourd'hui, j'ai convaincu tout mon entourage ici à Tokyo de rejoindre la team jaune. Ah, nice. Voilà. 79 vues attrapées, 80 vues. Ça commence à monter, c'est pas mal. C'est pas bien de t'avoir. Mais non, mais on va pas se déplacer pour streamer. Pourquoi ça vient? Il a pas besoin d'avoir le permis quand on vit en ville, on n'a pas besoin. Des voitures. Je dis pas que se déplacer, c'est pas une chose importante, bien au contraire. Je dis juste que la façon dont on a de se déplacer, je trouve que c'est moyenâgeux. Voilà. Non mais les streamer en direct du train les captures, déjà le train va trop vite, on pourra capturer rien du tout. Et ensuite la connexion quand tu parles dans un tunnel, c'est mort. Le train on perd souvent quand même la connexion. Oui. C'est mort. Faudrait une voiture à pédale. On avance doucement. On est non mais voyager à nos frais pour chasser du Pokémon Go, c'est absolument pas rentable. Faut quand même se rendre compte. Il est sur Lyon. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui est avec ça aussi, on va pouvoir faire des choses. Un chenipan sauvage est apparu. Je pense qu'on va pouvoir faire un petit. On va pouvoir passer à 80, je crois. Je crois qu'on va pouvoir passer à 80 parce que je vais pouvoir faire un tapis du Lyon. Je pense. Je l'espère. Hop. Okay, c'est vrai, du soleil. Heureusement qu'il y a moins de soleil quand même. Oui. Mais bon, la pluie, c'est pas mieux. Toujours à l'aventure sous la pluie. Il faut combien de bons? Bah, il faut que 62, je crois que je suis très très large. Le permis coûte cher et l'assurance pour la voiture, ça coûte cher. L'essence, ça coûte cher. Enfin, c'est absolument pas rentable quand on est en ville. Je pense que c'est 12. Les petits aciers, c'est 50. Donc, ouais, 62. On peut prendre ce très joli chenipan. Ça lag là. Je crois que ça a planté. Ah, allô, allô, allô. Non, non, le jeu. Bah non, ça va planter chez moi, ça marche bien. Tu vois quoi comme écran là? Des chenipans. Ah, vous avez perdu la connexion, s'il vous plaît, cliquez sur reconnect pour rétablir. Je pense que t'as plus de. Je clique sur reconnecter. Non, ça a planté. D'accord. Alors. Ouais, il a live du vieux lion, ouais. Le premier live qu'on a fait, il a été au vieux lion. Non, mais j'ai le permis, ça sert à quelque chose, mais sur Lyon, ça ne sert strictement à rien. On garde la voiture où? Il y a un souci avec Mobizen. Hein. En fait, c'est Mobizen qui pose des problèmes tout à l'heure aussi. Oui, mais Mobizen, il n'y a aucun problème normalement. C'est qu'il prend trop de connexion là, il est en train de tout bouffer. Ouais. Là, c'est mort. Il me dit impossible. Mais il est normal, il est planté. Mais il a pas planté, Mobizen. Il est pris en écran blanc, donc c'est... ça aussi, c'est pas normal. Ah. Ça sent la fin du forfait data. Mais oui. Ok, je relance mon Mobizen. Alors. Je vais fermer et relancer. Ah, si vous avez comme c'est frustrant pour un streamer de film de streamer, de pas y arriver et de voir la chaîne qui se vide petit à petit. Ah là là. Et en fait, je vois pas de bonne solution derrière. Connecté. T'as relancé là? J'ai relancé. Dis-moi. Bah, sans se connecter, oui. Je crois que c'est bon.
C'est bon. Encore, oui. C'est bon? Oui, oui. Hop. C'est bon, là ça fonctionne. On relance. Et logiquement. Bon appétit à tous ceux et tous celles qui vont manger. Là ça fonctionne. Ok, bon là c'est fluide donc. Joli parapluie rose. Ouais, il est pas rose. Vous arrêtez. Oui, mais à la cam on dirait qu'il est rose. Hein. On va prendre le Pokéstop ici. Et donc je voulais faire un Papillusion pour passer à 80. Ce que j'aimerais surtout, c'est aller chercher, aller là où il y a les deux leurres, on va traverser, où il y a des Nosferatus partout. Moi je propose de dire on s'en fout. Il y a les buts. Putain, mais ce spot de Nosferatus, quoi. On voit la marque. On est incapable de lire la marque. Personnellement, ça lag tellement que je suis incapable de lire la marque. C'est le parapluie Rafflesia, exactement. Eh oui. Ça, par contre, c'est bien. Ah, attends, comment je fais avec le parapluie? Il rougit. Oui. Ok. Ok, non, merci, Fléo. Rosé à petit poids, exactement. Pokémon Go est aussi à l'heure que la fille. Ah, un lancer joli sur le petit tas. Merci Philo. Des fanarts de Crane en Rafflesia. En mode princesse Rafflesia. On est à plus de la moitié des bonbons. Vous êtes méchant parce que sur Fury, j'ai pas tant galéré que ça. Ah, mais ils sont finis. Oh non, les deux leurs, j'arrive et ils sont finis. Ah oui, bon. Ça y est, alors, c'est la fin. On avait dit qu'on allait faire un... Ah, ça coûte 3000 et 3. Par contre, il y a des attaques pourries, mais je crois qu'il y a toujours des attaques pourries. Ouais, il y a toujours des attaques pourries. Bon, c'est parti, allez faire évoluer. Oui. Alors. Une petite illusion qui arrive. Qui va être ah, nice. 4 Pokémon. On commence par un petit Crisacier. À combien? Je sais pas. C'est du bon, on voit que ça monte très très haut. Hein. C'est bizarre. 227, faire évoluer. C'est 8. Et c'est parti. Ah, il y a un Pokémon qui vient de pop en plus. Ce sera la surprise à la fin de l'évolution. Pourquoi tu restes pas à tête d'or? Enfin, j'y allais, mais il y a des soucis de connexion. Et voilà, regarde Maudy. Electro Kawaii. Voilà, voilà. Un de tes Pokémon préférés, je crois. De la génération 1, oui. 787, mais ça n'a pas l'air de monter très très haut. Avec Rayon Signal, Insecte, un petit Papillusion. Ça fait plaisir. Et donc maintenant, si on va dans le... Alors, qu'est-ce qu'il y a qui est à pop? Un Rattata. Alors, hop, à peine arrivé au parc de la tête d'or et je tombe sur cette bestiole bien sympathique. GG. Oh, c'est quoi ce tout ce Pokédex? 80 atropés. Ah, GG. Tu l'avais pas, Papillusion? Je croyais que tu l'avais. Papillusion. Je ne l'avais point. Ah t'avais oui, t'avais fait Dardagnan, oui, oui. Voilà, voilà. Non, c'est du thé dedans qu'il y a dedans. Du thé glacé. Ça ne marche pas. Il paraît que c'est rare chez toi, à Dijon, il n'y a que des roucoules. Il y en a plus que les roucoules et les ratates. Ah, l'hypnomade, il est soporifique. Il fait des choses bizarres, le jeu, quand même. Hein. Le jeu fait des choses bizarres, là. Papillusion Shiny, ah ouais, il est trop classe. D'accord. Le Pokédex est en PLS. À prendre le petit ratata là, parce qu'on a besoin de poussière. Première fois sur Lyon pour chercher un appart, je tombe sur Crane qui chasse du Pokémon sous la pluie à l'hôtel de ville. Bon courage. Ah. Oui, des bisous Shadowa. Non, je suis pas visé. Je suis pas visé, c'est officiel. Quel moyen d'optimiser le PC d'un Pokémon? Faut-il en choper un gros et finir de le recharger? Faut-il en prendre un petit et le monter entièrement soi-même? Autre chose, je sais pas. Ah, la petite équipe de l'IRAM avec un Léviathan 1600. J'ai pourtant Léviathan. Un Pyroli 1500, un Onflex 1300, un Noix de Coco 1300, un Galopa 1200, un Rafflesia 1100, un Crustaori et un Grand Doudou. C'est G. Alors. Des fois, le Pokédex bug, c'est normal. Ah, Bitim voilà, bleu, voilà, ça se la pète. Super, voilà, voilà. Ah, c'est celle-là, la reine. Donc ça veut dire que... Non, c'est où, ça? Non, c'est par où? Je suis perdu. Ah, là,
c'est l'endroit où il y a les skateurs. Donc ça, c'est dans les pentes. Et par là, il n'y a rien du tout. Où est-ce que je vais aller? Bon, je vais quand même commencer à retourner vers la maison. On verra ce qu'on trouve sur le chemin. Parce que j'ai du mal. La connexion d'une seconde à l'autre. J'ai du mal à te suivre comme je le voudrais, mais l'appel du Pokémon est trop grand. Bonne chasse, pas de soucis. Eh oui. Alors. Je suis Team Jaune, Team Jaune en force. Pourquoi il n'y a plus le logo Team Jaune d'ailleurs? C'est dramatique ça, hein? Il est où? Faut falloir que je le remette. Donc voilà, du coup, on pensait annuler le live de Muddy ce soir pour pouvoir faire du Pokémon tour. Pokémon toute la soirée. Et ben non, vous retrouverez Maudit sur sa chaîne à 23h. Et pourquoi encore, je n'ai pas encore décidé. Ça va être bien. C'est pas en plus ce que je vais faire, mais je vais quand même continuer à live. Et on verra. Et normalement, il a pas son mystère manqué. Mais j'ai toujours pas de PC, de nouveau PC. Il va falloir trouver une solution. Et Yayou qui se rabonne pour la 9e fois. Merci beaucoup Yayou, des bisous et Bim. Et Bim, le retour 9.64 alors, merci beaucoup. Allez. Ah, la Pokéball qui... Il y a un parc qui s'appelle Parc des Amoureux, il n'y a que des excellents. Oui. Moi, mon lycée, il s'appelait le lycée du Bois d'Amour. Voilà. Ça doit être pareil. J'entends. Ça doit donner une jolie Nosferatu. Moi, je suis Team Jaune aussi. Moi, j'ai pris Team Jaune et il m'a suivi, en fait. Parce que j'ai commencé le jeu un jour avant lui. Et maintenant, je suis bien en retard. Ah, un autre. Alors, c'est bien en plein. Quand il pleut, il y a plein de petits tas. Je sais pas si c'est un... Si, c'est sûr. D'accord. Ouais, je pense qu'il y a des trucs avec le temps. Hein, parce que les Pokémon aquatiques, ils pop plus. Ouais, nickel. Nickel. Alors, je t'attiens. Ok. Bon, oui. Non, je fais pas de Dark Souls 3. Alors, un Crisacier directement. Bon, oui, il est chez LDLC. Enfin, son PC vient de LDLC. Le lycée du Friac. Oui. J'ai un ami qui vient peut-être demain essayer de voir un ami qui bosse à LDLC, donc il vient peut-être demain ou alors il vient mardi. Il a 80 Pokémon. J'aimerais bien avoir un PC qui fonctionne. Est-ce trop demandé? Une connexion qui fonctionne, un PC de celle d'un homme. Alors. Quand il neige, je ne prends pas de l'Arctique au Dar, mais non. Tu as Rhino Corps dans mon jardin, GG. Alors. Sylphraud, je connais pas. On va... Aura-t-on la chance de te revoir jouer à Pokémon Go un jour? Je ne sais pas. Beaucoup de hacks au départ, je préfère attendre la sortie officielle. Je sais pas si ça va s'arranger avec la sortie officielle, malheureusement. En tout cas, on attendait sous la pluie. Ça aurait pu fonctionner. Le setup tient le coup. Le pantalon, c'est problématique. Non, t'es très pixelisé. Ah oui, le pantalon est trempé, ouais. D'ailleurs. Oui, non, mais là c'est un problème de connexion, mais il y aurait eu la connexion, on était pas mal. Il y a un truc qui a pop, un petit Starry. Ah, Starry c'est bien. Starry c'est toujours bien, il y a combien? 11, oh, très gros Starry. Très gros Starry. Il oui, vient de le montrer le Pokédex. Ouais, c'est 80 Pokémon différents. Oui. Hop, on en fait des bonbons. Je vous ai apporté les bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Et les bonbons, c'est si bonbon. Et voilà, mon Pokédex. Et normalement, aujourd'hui, on aurait dû avoir le 0,45. Mais on oui, aurait dû avoir un plaisir, c'est la tristesse. Juste un mystère. On aurait pu parler de la tête d'or, on serait gavé. Oh là là, voilà. Et un gros dindon de Frost qui dit Timmy et Ligigigl. Je comprends pas ce que tu dis. Tu l'écris? Je ne sais pas. Merci beaucoup, Frost. Frost est habitué des petits trolls ou des choses comme ça, donc... Je sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu regarderas quand tu reviendras. Merci beaucoup, c'est très gentil. Il y a tout sur le dashboard. Je sais même pas comment le dire. C'est ça. C'est ce... Il est quand même... Ah, le... Voilà. Le Pokédex a des problèmes. Le Pokédex a des problèmes. Non, mais ça fait souvent ça. Ah bon? Ouais, apparemment, c'est un nouveau bug. Il y a plein de gens à qui ça fait ça, ils me l'avaient envoyé hier sur le Twitter. C'est une emote! Ah, c'est une emote! Ah! Merci beaucoup pour le dindon, en tout cas, c'est très gentil. Très bien.
Mais vous êtes lucide, vous. Oh là là. Vous savez utiliser... utiliser Twitch. 374, ok. C'est un Nosferatu complète, là. Là, on a un Nosferatu complète. J'ai envie de le faire évoluer juste pour voir la gueule du Nosferatu. Attends, on va y aller à ça, voilà. Il a combien de PC, ton papy illusion? 700 et quel. Tu dois monter... C'est simple. Bonjour, en fait, c'est simple. Tu dois monter et un chenipan pour avoir un papy illusion et un aspicot pour avoir un d'Artagnan. T'es obligé de faire les deux. Il est plus loin. Non, c'est un très grand opérative, je veux voir ce que ça donne. Et Alderito Cori qui se réabonne pour la 8ème fois et qui dit courage, Crane. Ah, merci beaucoup pour le réabonnement, c'est très gentil. Alderito Cori, des bisous et bim le Russ. Est-ce qu'on va avoir le. Apparemment, oui, on l'a eu. On l'a eu pour fêter ça. J'ai juste envie de le faire évoluer pour voir si on va avoir un Osteralto à 1000 à 1000 plus. Bah, Org, Crane, il a gardé toutes ses chances pour faire des évolutions de base parce que c'est celles qui coûtent le moins cher. Donc ouais, des Roucoules et des Aspicots, des choses comme ça. Tout pour le fun. Fallait le lire à la Crane, la carte timide dans le jeu TCGO. Ah mais je sais pas, moi je regarde pas ses streams à Crane, je connais pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quel level pour les Hyper Ball? 1157. 20? Non, les Hyper Ball, on les a pas encore. Mais c'était juste pour le principe de faire un Osferalto 1157. Ah, de toute façon, si, des bonbons de Nosferatu, nous en reste 275. Non, mais il est craqué quand même. Bon, il est bugué, mais il est craqué. Et les. La grosse daube. C'est de la grosse daube. Non, mais t'arrêtes. Et les Hyper Ball, tu les as à quel level? Level 20. Oui, c'est level 20, c'est ça. Parce que j'ai eu un doute. Comment Crane fait pour streamer Pokémon Go pendant aussi longtemps? Mon portable tombe en rade au bout de 2 heures. Bah attends, je vais te montrer. Il a une batterie en fait qu'il a mis dans son sac. Et alors j'en ai sur lequel une autre, tu peux brancher d'autres trucs. Un petit peu moins puissante que celle que j'ai, mais plus petite et beaucoup moins chère sur Amazon. Il y avait des reviews, des très très bonnes reviews. Elle est à 50€ et elle a deux USB qui chacun envoie du 2.4. Donc c'est le truc maximum que tu peux envoyer en USB normalement. Donc logiquement c'est efficace. Donc je vous ferai des retours dès que je l'ai testé. Parce que le but, c'est si je faisais le stream avec Atto, c'est qu'on ait chacun une batterie. Donc pour ça, j'investissais pour le stream des 700 et ça faisait une batterie de secours. Donc je vous tiendrai au courant de ce que ça va donner. Mais on change de compte Gmail, on l'a jamais fait. Une très bonne trouvaille. Elle est sortie en France, les bugs des 3 pattes sont pas réglés. Bah s'il n'y a pas un patch, non. S'il n'y a pas de mise à jour par rapport à ça, non. Y a-t-il un site qui répertorie combien de PC est plus rentable d'évoluer? Oui, il y a un site. Je pense que je l'ai pas encore d'ouvert, sinon je vais vous l'envoyer. Je vais regarder. Il comptait aller au rassemblement dimanche, mais on va voir si on pourra le streamer. Bah oui, du coup, parce que là, je vais me retrouver sans connexion, sans clé 4G, sans la connexion de mon téléphone. J'ai tout vidé. Alors, c'est ce site-là où tu écris le nom du Pokémon, par contre en anglais. Et ensuite, tu écris ses points de combat et ça calcule. Et donc, tu vois lequel est, enfin, à quel moment c'est plus rentable. Alors. Donc, je l'avais toujours ouvert. Donc, on prend. Mais Draco est rare, je ne sais pas, mais par contre, Dracolo, c'est rare. Sur le chemin. Alors. Là-bas, il y a un leurre. La meilleure attaque de chaque Pokémon, ça par contre, j'ai pas vu de site sur ça. La meilleure attaque. Ça doit exister. Oui, c'est sûr que ça doit exister, mais on l'a pas envoyé, donc je peux pas vous dire. Non. Il pleut encore, oui. Ah, c'est vrai que ça va étonner le téléphone. Étonner le parapluie. Mince. Hop, je le renvoie pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Ça, je vois rien. Bah, niveau 14, c'est normal que t'aies pas eu un plus gros magma, hein, en effet. Alors là-bas, il y a un leurre. Deux Roucoules, on va dire, on s'en fout. Même si j'ai besoin de poussière, donc c'est juste que les Roucoules ont tendance à troller beaucoup. On passe devant le Monoprix, j'aurais pu faire des coups. Bon épisode, Baroukan. J'ai faim. Il va pas se perdre, il connaît Lyon. Pas de soucis. Oui, ça va. Jusque-là, ça va. Enfin, je connais Lyon. À peu près. Oui, tu mets dans certains coins où je suis jamais allé, je suis perdu, hein. Je vais tourner 3 fois sur moi-même aussi, je suis perdu. Allez, on va aller prendre Imenargue. Le rassemblement, c'est dimanche 14h au parc de la Tête d'Or à Lyon. Allez, hop. Ouais, les Midraco, ça se trouve au parc de la Tête d'Or. On va voir.
Alors. Ok. 64, on en fait un bonbon. Monoprix, c'est super cher. Pourquoi tu dis ça? C'est justement avec la carte Monoprix, je ne vais pas leur faire de la pub non plus. Nous, on arrive à avoir beaucoup de produits gratuits. Il y a souvent le deuxième produit offert, des trucs comme ça. La dernière fois, on a fait 80 euros de course et on en a payé 50, c'était 30 euros de course offerte à cause des promotions. Donc oui, c'était un peu plus cher, mais on est largement rentable. Voilà. Ouais, moi, j'aime bien Pyroli et Arcana. 30-15 my life. Non, mais en fait, je sais pas pourquoi ça parle de Monoprix, c'est juste pour ça que j'ai relevé la phrase. C'est 30 Monoprix et j'ai dit Monoprix et j'ai dit on va faire. Ah, d'accord. Course. Et oui, on sait Thomas de Pinet. Mais je t'entends vraiment mal des fois, mais c'est parce que c'est le casque aussi, enfin les écouteurs. Hop. Regardez. Et le troisième recoule. Et il recoule de partout. Je propose taboulé, crane, avec petit rendement. Voilà. Voilà, Hagen, il est en train de me donner faim. Ouais, oui, je veux bien lui tabouler avec des petits sirops de menthe. Alors. Ah. On m'envoie sur Twitter. Qu'est-ce que tu racontes? La progression de Verity. Mon Dieu, ça y est, il a fait les 112 km. Voilà. Ah, et le prochain palier, c'est 1000. Voilà. Oui, voilà. Ça ne va pas arriver. Voilà, c'est des ouf. Ça ne va pas arriver tout de suite. Non, mais c'est des malades. 1000 km à pied. Et tu vois, il a fait 112 km, c'est niveau 21. Joli, joli, joli. Avec un Acoly 1400, un Aquaquack 1100, Hypnomade 1000, Aeromite 1000, Tentacruel 900, Roucarnage, Nosferatu, Rapace de Pique, Voltali, Insecateur. Moi aussi, je fais un Insecateur 800. Quoi? J'ai été plus chanceux sur ma team que lui. Ouais, je pense que t'as dû plus farmer. Le farm à la tête d'or, ça quand même, voilà. C'est quand même craqué. Oui. T'as dû être plus chanceux dans l'off de 10 km aussi. Bah ça. Le low class, il reste pas de la smoule de maudit. Ah, vous avez dépassé le volume. Ah, c'est bon, t'as plus de crédit là, je pense. C'est mort, ça a coupé. Ah là là, ça a coupé. Mobizen est en train de couper. Ah là là. T'as plus de crédit. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Voilà, c'est fini. C'est fini. Là. Plus de crédit. Enfin. Oh non. Tu te rends compte que tu vas devoir meubler jusqu'à temps que je revienne. Est-ce que t'es proche de revenir là? Combien de temps à peu près? Une belle course, quoi, quasiment. D'accord, ok. Ok, ok. Est-ce que tu veux chasser les Pokémon sur Mobizen? Je vais fermer Mobizen, hein, parce que ça sert à rien. Ah oui, tiens, oui, je vais fermer l'appli, mais oui, je peux chasser les Pokémon, moi. Je peux continuer à jouer. Oui, tu peux continuer à chasser, voilà. On peut continuer à te voir. Par contre, est-ce que je reste en Pokémon Go sur le tag Twitch? Bah oui, parce qu'on discute, on fait des débriefs. Alors, le Rafflesia, du coup, c'est le fail, parce qu'il a pas pu se rendre jusqu'à la tête d'or. Parce qu'il a plus de... Ça a commencé à laguer, parce qu'il avait plus de crédit. On a un stream. La clé 4G et le forfait des deux téléphones. Voilà, un petit stream en plus. Hein. Faites une commande pour voir combien de temps on stream là. Ah, merci à Grabby, c'est mignon. Faites du furie en attendant maudit. Et en fait, vous étiez nombreux à regarder hier parce qu'il y a des pseudos qui ne parlaient pas sur le chat qui m'en parlent. Il y a un Krabby. Il y a un Krabby. Formidable, il y a un Krabby. On imagine le Krabby dans la tête. Oubliez pas que si j'ai un gros Krabby. Ah non, 74, c'est un petit Krabby. J'arrive pas à choper de gros Krabby. 2h12 minutes. Diacrine de regarder dans les paramètres du tel, il y a une limitation de la part du tel, c'est pas forcément le forfait. Non, là c'est Orange qui envoie un SMS. Orange qui envoie un message. Sinon, t'as le paramètre, ils disent oui, vous êtes en train de dépasser la limite que vous-même vous avez mise et c'est 2 Géo de base. Donc ça, on l'avait dépassé le premier stream, mais il avait beaucoup plus de forfaits. Là, quand tu reçois un SMS, c'est que c'est mort de chez mort. Mais par contre, je peux quand même jouer et de façon fluide. Oui. Et donc, ça veut dire les que gens... même si c'est un petit forfait, oui. Et ben, c'est en débit réduit derrière. Vous voilà. Pouvez jouer. Mais les gens l'ont dit ça. Les gens ont dit qu'en débit réduit, tu pouvais continuer à jouer Pokémon Go. Par contre, forfait bloqué, c'est mort. D'accord. Pour faire des petits dessins, pour illustrer ce que Crane fait, vous voulez que je vous repainte et que je fasse des dessins? C'est ça. Mais t'as paint, toi, là-dessus? Paint. Oui, j'ai paint. Il y a paint sur tous les ordi. Ah oui, c'est de base, c'est comme des mineurs, ça. Des mineurs, il est plus de base, je crois. Non. Et le truc de paintball, là, de pinball, je sais pas comment ça s'appelle. Non, mais tu sais, ouais, voilà, le truc où tu fais rouler la boule, là. Je parle très bien. Paf. Ça fait des chocs à pique. Un gros carré blanc. Alors, je vous ai préparé. Je dis n'importe quoi. Ok. Je vais vous envoyer pour l'instant ce qu'il y a sur Twitter et après je dessinerai bien sûr.
Quand tu n'as pas de chance, un Arbok 164, oui, c'est la tristesse. Même s'il est en attaque à 60. Un Hypocéen 114, c'est la tristesse ultime. Un Aqualis 118, je pense que t'es pas... Oh, un Rouflex 41. Oh, le Rouflex 41. Non, je pense que c'est parce que t'es pas assez haut level. T'es pas assez haut level, t'as des Pokémon assez rares, mais t'es pas assez haut level, donc du coup, ils ont des jets pourris. Joli parapluie, bah merci. Merci, on essaye de faire au mieux. Pourquoi je mets le signe d'engrand, on voit mieux comme ça. Ah mais oui, il y a un petit montage de parapluie Raphésia derrière. Oh, c'est beau. Ah, parfait. Voilà le résultat du 100 km. Ah, nous avons des belles jambes musclées, c'est beau. À Genève aussi, on chasse. Oh, le monde, c'est oufissime. Attendez, faut que je grandisse. Énormément de monde qui chasse à Genève, c'est ça? Ah ben, c'est... j'ai l'impression que c'est presque autant que la Tête d'Or. Même plus. On dirait qu'il y a plus de monde. On passe partout, mais... Ça fait peur, ce que je fais. Ok, alors tu as capturé quoi, t'as dit, un Krabby? Un Krabby, là je suis sur un Roucool 343 de la dissidence. Oh, le Roucool, on s'en fout. Deuxième Pokéball. Ah, mais je sais pas quoi il ressemble, Krabby, en fait. C'est un stream pour les malvoyants, donc c'est juste en audio. Voilà. Exactement. Le Roucool a été attrapé au bout de la deuxième Pokéball. Il va finir. Mais il est là, donc il peut pas. On va le garder. Roucool. Tac. J'hésite à faire un détour pour un leurre. Mais je vais pas le faire parce que Maudit va être au bout de sa vie. Si, jamais. Ah bah tu peux, mais ça sert pas à grand chose parce qu'ils voient pas, donc ils vont être déçus. Ils vont être tristesse. Mais ça dépend, il est où le leurre? C'est un leurre... là où c'est situé, t'auras peut-être que des Nosferapti. Hein. Ouais. Alors attention, la création du Krabby.